Les femmes et les hommes spirituels, rien ne se passe au hasard dans votre vie. Rien. Si ton téléphone se casse, c'est pas du hasard. Ta télé se casse, c'est pas du hasard. J'ai eu une période de 3 semaines. La première semaine, l'écran d'un de mes téléphones s'est cassé. En moyenne, j'ai plus de 2 téléphones. Donc l'écran d'un téléphone s'est cassé. Le lendemain, on a volé le deuxième. Le jour qui a suivi, l'arrière de l'autre téléphone s'est cassé. C'est un iPhone. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? La même période, j'ai 2 amis. Leurs téléphones se sont cassés. 2 semaines plus tard, je répare le téléphone, voilà, ok. 2-3 semaines plus tard, ma télé qui est accrochée au magasin. On ne peut pas dire que quelqu'un a touché l'écran. Des signes de rayures, comme si on a cassé la télé, apparaissent sur la télé. Et une autre de mes télés qui a été transportée pour emmener dans un de mes bureaux. Le lendemain de ce jour-là, cette télé, on découvre que la télé est cassée. Je dis, ok, ça c'est très étrange. 2 semaines plus tard, un autre de mes téléphones se décolle. Et le tactile du téléphone que j'ai précédemment réparé 2 semaines plus tôt, le tactile aussi ne fonctionne pas. Donc, je me suis dit, mais attends, rien dans la vie des choisis n'est au hasard. Tout porte un message. Parfois, des appareils qui ne marchent pas, ce sont des signes. Parfois, c'est pour t'avertir. Parfois, c'est pour attirer ton attention. Parfois, c'est juste pour détourner ton attention de ce qui est réellement en train de se passer. Donc, vous devez être très vigilant et observer surtout. Parfois, ils peuvent passer par ta fille pour casser ton téléphone. Parfois, ils peuvent passer par ton mari, un de tes employés, pour casser un appareil. Donc, il faut observer. Est-ce que dans la période-là, j'ai d'autres appareils qui sont cassés? Voilà. Rien dans la vie des choisis n'est au hasard. Rien. Donc, nothing.